La fin de la mission Mars pour Cyprien Verseux, le jeune astrobiologiste français, a vécu pendant un an dans un dôme de 90 mètres carrés construit à Hawaï par la NASA qui a reproduit la vie sur la planète rouge. Une expérience menée dans les strictes conditions d'une mission spatiale. Son retour au grand air est prévu dans les prochaines minutes. Johan Rolla. Il n'a que 26 ans, mais ses aventures passionnent tous les amateurs de conquête spatiale. Enfermé sous ce dôme avec 5 autres scientifiques à Hawaï, Cyprien Verseux est en passe de réussir un pari hors norme. Simuler pendant un an une mission sur Mars. Une expérience que ce jeune chercheur français a choisi de raconter avec humour. Pour l'instant, tout va bien. J'espère pouvoir dire la même chose dans 11 mois. Lieu de la mission, les flancs de ce volcan, le Mauna Loa. À plus de 2000 mètres d'altitude, ce terrain sans végétation a été choisi pour sa ressemblance avec le sol martien. Idéal pour tester les déplacements en scaphandre. On va sortir du dôme pour des missions de recherche. On adore le faire parce que le paysage est magnifique. Le reste du temps, interdiction de quitter ce module de 90 mètres carrés. Pendant un an, le Français y a testé la croissance de végétaux dans des conditions très proches de celles de la planète rouge. Ça, c'est mes champignons. Ils ont été envoyés par l'agence spatiale italienne. Pour l'équipe, même conditions de vie que dans l'espace. Au menu, de la nourriture déshydratée. Par exemple, j'ai fait des crêpes à partir d'aliments en poudre. J'ai fait une dinde à 6 pattes. Et un isolement presque total. Cyprien s'apprête à découvrir une France qui a changé. D'après les emails que j'ai reçus de mes amis parisiens, je vais rentrer dans une France post-apocalyptique, genre Mad Max avec la tour Eiffel au milieu, avec des adolescents en cale-chemise attrapent des Pokémon avec leur téléphone portable. Dans moins d'une heure, Cyprien Verseux s'apprête à quitter cette bulle après 365 jours de vie sur Mars.